Merci de nous retrouver dans cette émission Café Débat, dans ce nouveau numéro. Vous le savez, ici nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, évidemment, ici pour donner la parole à un invité, Dr Faya Milimuno. Il est président du Bloc libéral qui rentre fraîchement de 3 mois de séjour aux États-Unis. Est-ce 3 mois de repos de bout en bout? Il nous en dira tout à l'heure un peu sur son séjour aux États-Unis. Et puis avec lui, nous ferons le tour de l'actualité politique de notre pays et des sujets du moment qui brûlent toutes les lèvres, entre autres le décès de Khalifa Sall, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, et tout le tollé, le débat qu'il y a eu autour des conditions dans lesquelles Khalifa devait donc être enterré, ce qui a justement été fait d'ailleurs hier mardi. Et puis le combat du FNDC, j'allais dire le FNDC entre interpellation policière et le combat de terrain. Le regard de Dr Faya sur cette situation, nous en reviendrons. Il est déjà sur ce plateau. Docteur, bienvenue. Mais bonjour, je dis bonjour aux téléspectateurs, vous m'avez beaucoup manqué, je suis là, content de vous retrouver. Bonne arrivée. Merci. Et un mot sur ce séjour aux États-Unis, vous avez pris 3 mois, est-ce que vous aviez vraiment besoin de repos, de retrait, et puis pour revenir avec un peu plus d'énergie et beaucoup plus de bonne mine? Non, pas de repos. Vous savez, le Bloc libéral en tant que parti, créé en 2013, nous l'avons dit hein, aux Guinéens, c'est un parti qui se veut transversal, national. Et les nationaux guinéens, ils ne sont pas que sur les 247 857 km². Vous trouvez les Guinéens au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone, en Europe, en Amérique, en Asie. Et le Bloc libéral a des structures politiques, n'est-ce pas, dans l'ensemble des pays dont je viens de parler. Donc de temps en temps, hein, ça me fait 9 mois à Conakry, à l'intérieur du pays, pour parler du Bloc libéral, eh bien, il faut que je prenne entre 1, 2 ou 3 mois, n'est-ce pas, pour aller vers les structures qui sont à l'étranger, essayer de les renforcer, travailler avec ces structures pour savoir les besoins auxquels ils sont confrontés et comment, n'est-ce pas, les amener à recruter beaucoup plus de Guinéens qui vivent avec eux. Alors, c'est le travail que nous faisons tous les ans. Au-delà, comme vous le savez, après mes études au Canada, je m'étais établi dans la région de Washington, où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Je continue encore à prêter mes services professionnels là-bas. Donc, au moins une fois par an, j'y retourne pour essayer, n'est-ce pas, de réaliser quelques activités de consultation, question de me refaire financièrement. Parce qu'ici en Guinée, il faut le dire, la mauvaise gouvernance que nous connaissons dans le pays, le système qui ne produit que l'échec, fait que même quand vous entreprenez ici, il est extrêmement difficile que vous réussissiez. Alors donc, il faut de temps en temps retourner là, essayer de travailler et puis se faire un peu d'argent et puis continuer le combat. Et il faut profiter de cette occasion, naturellement, pour rendre visite, n'est-ce pas, aux autorités des pays que nous visitons. Aux États-Unis, par exemple, quand j'étais arrêté le 5 avril dernier, il y a certaines autorités américaines qui ne sont pas restées indifférentes, dont un sénateur, n'est-ce pas, qui a écrit au département d'État, qui s'est intéressé, n'est-ce pas, à cette question. Donc, il fallait, à cette occasion-là, rencontrer le sénateur, lui dire merci pour cette attention, et puis profiter pour lui parler de la situation guinéenne de long en large. Nous avons également visité le département d'État, nous avons visité certains organismes comme NDI, et on a rencontré d'autres personnalités, en plus des Guinéens que nous avons rencontrés partout où nous sommes passés. Donc c'était un agenda très très chargé, ça n'a pas été un repos hein, en réalité. Bien. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc on va dire 3 mois de séjour aux États-Unis, plus qu'un repos, ça a été un séjour multiforme, donc aspect politique, aspect privé, professionnel, et tout le reste. Maintenant, Faya, de retour en Guinée, et à peine arrivé, on va dire, entre contrôle judiciaire et diffamation contre le ministre de la Justice.
dès que vous rentrez, vous êtes en pleine action. C'est-à-dire que vous faites parler de vous. Mais avant justement de parler de ce chapitre, déjà on vous a vu quand vos militants vous ont accueilli quelque part à Conakry, Faya qui portait des gants en blanc. On ne sait pas ce qui arrivait. Beaucoup s'interrogent aujourd'hui, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il devient tout à coup Michael Jackson? Ou est-ce qu'il ne voulait pas toucher quelque chose? Mais on ne sait pas pourquoi vous portiez ces gants. Parce que c'est une petite curiosité. Non, c'était purement symbolique. Vous savez, je dis encore une fois merci aux militants et sympathisants du Bloc libéral qui m'ont réservé un accueil très chaleureux, d'abord à l'aéroport, puis au siège le lendemain, c'était le 26. C'est à cette occasion-là que la structure du Bloc libéral à Ratoma 1, nous avons deux fédérations très dynamiques dans la commune de Ratoma, c'est l'une de ces fédérations qui, sachant ce que le peuple de Guinée connaît, la constance, n'est-ce pas, du Bloc libéral, le fait que les militants, les sympathisants, les responsables du Bloc libéral ne sont trempés dans aucune situation de détournement, ni de crime de sang, ni de crime économique dans notre pays. Alors, il a symbolisé cela. Vous ne traînez pas de casseroles. Voilà, justement. Alors, ils ont voulu symboliser ça en disant, bon, comme on le dit en langage courant, c'est le leader aux mains propres. Et donc, il a voulu que cela soit symbolisé par des gants. Il a acheté des gants qu'il m'a offert ce jour et je les ai portés. Donc, c'est ce que ça voulait dire. Ce n'est pas parce que je ne... Parce que certains se demandent est-ce qu'il a contracté une maladie ou il ne veut pas que quelqu'un lui passe une maladie. Non, pas du tout. Ce n'est ni le style Michael Jackson, ni le fait que, bon, nous avons peur de nous embrasser avec nos compatriotes, avec nos militants, mais c'est parce que ce jour-là, comme l'ont voulu les militants et les sympathisants du Bloc libéral de Ratoma, il fallait symboliser ce que le BLA est et que les Guinéens tous connaissent. Pour ceux qui étaient un peu curieux sur Facebook, qui ont vu Dr. Faya Milimono porter ses gants blancs, alors voilà l'explication, c'est ces militants qui ont voulu symboliser son statut d'homme politique au même propre, parce que la couleur blanche symbolise donc la transparence et donc on va dire c'est la propreté, ça, la propreté ça et tout. Donc les gants c'était cela. Alors oui, à peine vous arrivez, je crois on vous appelle encore à la justice. Est-ce que c'est toujours votre ancien dossier de contrôle judiciaire ou est-ce que c'est quoi exactement? Parce que oui, bien entendu. Avant que je ne voyage pour les États-Unis, effectivement, d'abord il faut rappeler que c'est le 7 avril que je devais voyager aux États-Unis. Et le 5, le parti a fait le sit-in devant le Palais du Peuple. Ce jour-là, commençaient leur session les députés périmés. Ils sont encore périmés, il faut le dire. Donc, nous, en tant que parti politique, il faut que les Guinéens se rappellent tout le temps de ce que le BL fait, ce que le BL dit. À notre création, nous avons supplié tous les politiques de ce pays de ne pas faire entrer la Guinée dans un entonnoir électoral, c'est-à-dire les élections aujourd'hui, les élections demain, les élections après-demain. Eh bien, quand est-ce que nous allons nous arrêter pour travailler, créer de l'emploi, mettre nos jeunes au travail, lutter contre les maladies qui ont disparu ailleurs, éduquer nos enfants, construire nos routes, quand est-ce que nous allons le faire? Tous les ans en Guinée, on ne parle que d'élections. Nous leur avons demandé en ce moment de copier la Sierra Leone, de copier le Libéria, de copier le Ghana. On peut mettre toutes les élections ensemble, on les fait une fois pendant 5 ans, on se met au travail pour créer des richesses et chasser la pauvreté dans notre pays. Nous n'avons pas été entendus. On a donc fait rentrer la Guinée dans un entonnoir électoral. Et aujourd'hui, c'est à un rythme intenable pour personne. Les députés ont été élus en 2013. C'était pour un mandat de 5 ans, c'est la Constitution qui le dit. Et donc aujourd'hui, ils sont périmés.
Alors, si on voulait que les élections ne soient pas organisées à chaque fois, on aurait pu accepter. Ce n'est pas parce que nous sommes nés hier comme parti politique, n'est-ce pas, que nous n'avons pas des idées qui peuvent faire avancer notre pays. Mmh. Alors, puisque rien n'a été accepté, il fallait alors aller aux élections pour renouveler le mandat des députés. Cela n'a pas été fait. Mmh. Et le président de la République a prolongé le mandat de manière indéterminée. Et on a suffisamment parlé de ça dans un passé récent. Voilà, justement. Donc, c'était pour protester contre cela. Mmh. Nous sommes allés, on n'était même pas sur la route, nous étions du côté de... l'hôtel Royal, Riviera Royal, c'était adossé au mur là-bas. Nous avons déployé notre banderole sur laquelle on pouvait lire « Si vous glissez, il va glisser et le peuple de Guinée va tomber ». C'est cette banderole que les forces de l'ordre ont vue. On a commencé à nous jeter des gaz lacrymogènes. On est venu pour bastonner les gens. Je leur ai dit non, si vous voulez nous arrêter, arrêtez-nous. Mais il y a parmi nous des femmes et parmi nous des personnes handicapées. Mm-hmm. Nous ne résistons pas à l'arrestation. Nous ne résistons pas à vos ordres. Vous pouvez nous embarquer. Nous sommes prêts à vous suivre là où vous voulez. Mm-hmm. Alors, depuis, n'est-ce pas, nous avons été inculpés. Et cette inculpation a donné lieu à un contrôle judiciaire sur ma personne. D'accord. Alors, le dossier, l'instruction a commencé. Nous avons été 12 environ militants et responsables du parti à avoir été arrêtés. Alors, à date, jusqu'à aujourd'hui, seulement 4 personnes ont encore été entendues. D'accord. Alors, je crois que c'est l'occasion rêvée pour l'arc-en-ciel. Je ne parle pas du RPG parce que le RPG au moins portait les valeurs. Mais arc-en-ciel, on se demande pour quelles raisons l'arc-en-ciel s'est battu. Alors, arc-en-ciel, c'est donc l'occasion rêvée de dire, bon, on va l'empêcher d'exercer ses libertés, ses droits. Alors donc, on va mettre, si vous voulez, un contrôle judiciaire sur lui. Il ne peut même plus quitter Conakry sans obtenir l'autorisation du juge d'instruction. Il ne peut pas aller à l'étranger. Je trouve que tout cela, ça trahit. Bien. Ça trahit, n'est-ce pas, le combat que nous menons, que nous avons mené, et pour lequel... Vous avez quand même pu partir aux États-Unis. Oui, je suis parti. C'est grâce, bien sûr, au combat mené par les avocats qui me défendent, qui ont introduit une requête auprès du juge d'instruction pour dire, voilà, c'est un monsieur qui a aussi des activités professionnelles aux États-Unis, qui a aussi, un certain nombre de choses pour lesquelles... Il est obligé, n'est-ce pas, de voyager. Donc, on peut obtenir la levée temporaire de ce contrôle judiciaire. Ce qui fut fait pour un mois et 15 jours. Ça, c'était le premier acte. Quand je suis arrivé là, compte tenu de l'agenda, ce que je faisais, alors les avocats sont revenus encore au juge d'instruction pour dire on a encore besoin d'un autre mois et 15 jours. Voilà pour quelles raisons j'ai fait les 3 mois et la date qui m'était donnée d'être à Conakry, c'était le 25 et le 25, me voici à Conakry. Donc voilà ce qui s'est fait. Aujourd'hui, en fait, c'est comme une prison déguisée. Pour le leader du Bloc libéral que je suis, je ne peux pas quitter la ville de Conakry sans avoir l'autorisation du juge d'instruction. À plus forte raison. Et ça pourrait durer combien de temps? Bon, mes avocats me le diront. Ce qu'on m'a fait savoir, c'est qu'une instruction pour un dossier comme celle-ci, je crois que le code pénal prévoit 4 mois. Nous aurons les 4 mois épuisés le 5 août prochain. D'accord. Et j'espère qu'en ce moment-là, l'instruction sera terminée. Si nous devons faire face à la justice, je crois que quand on accuse, on apporte la preuve. Bien. Donc, si on dit qu'on est inculpé... Donc, ça veut dire que vous êtes pressé que... bien sûr, ça veut dire que... qu'ils vous disent si vous partez en procès ou pas. Voilà, que le juge d'instruction, après avoir analysé le dossier et écouté, n'est-ce pas, les prévenus, disent oui, on a de la matière pour vous juger. Bien. Nous allons faire face, n'est-ce pas, au juge. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est au juge d'instruction d'en apprécier. Donc, pendant que vous êtes sous le coup d'un contrôle judiciaire, pour lequel contrôle, dès que vous êtes arrivé des États-Unis, vous aviez dû
allé vous présenter, je crois, le lendemain. Oui, oui, je suis allé le lundi. Le lundi. Mm-hmm. Et à peine vous êtes sous ce coup de contrôle judiciaire, on a l'impression que vous êtes guetté par un autre problème judiciaire, parce que quand vous étiez dans la ferveur de votre réception la dernière fois, apparemment, vous avez porté des accusations contre l'actuel ministre par intérim de la justice, garde des Sceaux, Mohamed Lamine Fofana, comme quoi il aurait été impliqué dans la rébellion de 2000 contre la Guinée, pour laquelle la rébellion Alpha Condé lui-même a été arrêté, jugé et condamné. Alors, après, vous vous rendez compte que non, ce n'est pas la bonne personne. Comment est-ce que vous avez pu commettre cette erreur politique, cette faute politique même, si on peut dire comme ça? En fait, je ne vais pas faire de commentaire là-dessus, parce que, comme vous l'avez dit, l'erreur, elle est d'abord humaine. Hein? Comme Jésus l'a dit en s'adressant aux messieurs et dames qui s'apprêtaient à jeter de la pierre, à lapider une femme qui était reprochée d'adultère, il leur a dit que celui qui n'a jamais commis une faute, qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Donc c'est pour dire que l'erreur, elle est humaine. Yeah. Ça peut arriver. Je suis en politique depuis des décennies. Mm. Et je suis, les Guinéens me voient et constamment, je suis l'un des plus médiatisés. J'affirme, n'est-ce pas, des convictions. C'est la première fois que, avec mes sources et avec les vérifications que nous avons faites, on en est arrivé à une erreur. Mm. Ça veut dire que nul n'est infaillible. Que certains croient très élémentaire, une erreur trop basique. Non, mais c'est pas politique. C'est pas basique, il faut le dire. C'est pas basique. Pourquoi? Parce que le fait lui-même que les Guinéens doivent se rappeler, c'est qu'en 2000. Non, on va pas refaire l'histoire. Non. Mais le fait on que ne refait pas. Non. De la non, de non. Personne, de... D'abord, écoutez, il faut bien que l'on situe le contexte. Bien. Le contexte, c'est quoi? En 2000, la Guinée a été attaquée à ses frontières sud. Gekedou, entre autres, Yende Milimou, une partie de Kissidougou, Pamela, etc., etc., ont été mis à sac. Vous comprenez? Il y a eu des centaines de personnes qui ont été tuées. Il y a eu des milliers de personnes qui ont été blessées. Il y a eu, n'est-ce pas, beaucoup d'édifices publics et privés qui ont été détruits. En ce moment-là, chacun a suivi, et c'est encore dans les archives de tous les médias internationaux sur lesquels s'est exprimé le porte-parole du Rassemblement des Forces démocratiques de Guinée. Il s'appelle Mohamed Lamine Fofana. Il se trouve que ces choses, comment on appelle ça, c'est le même nom. D'accord. C'est d'abord ça. Donc, pour dire que ce n'est pas basique. Vous comprenez? Même si les sources, ce qui s'est avéré une erreur, il y avait d'abord des éléments de prémisse qui pouvaient expliquer que, bon, il s'agit de Mohamed Lamine Fofana. Et n'oubliez pas que, quoique il y avait des problèmes. À l'époque, le président actuel était dans les problèmes à l'époque. Beaucoup de rumeurs avaient couru pour dire et qu'il était derrière. On a entendu, voilà, on a entendu, n'est-ce pas, certains acteurs qui sont même venus sur les médias pour dire c'est eux qui ont exécuté Panival Bangoura. Vous comprenez? Ça, c'est un dossier qui doit, au-delà de l'erreur qui a été commise concernant, n'est-ce pas, monsieur le ministre, et pour laquelle erreur d'ailleurs, nous avons demandé pardon. Alors, puisque j'ai lu, en tout cas avant de commencer cette émission, que la plainte a été déposée, la plainte a été faite, c'est pour cette raison que je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sur ça, sur les conseils de mon avocat, parce que désormais, c'est devant la justice, je vais préparer ma défense par rapport à la question. Donc vous êtes devant deux dossiers judiciaires. Donc ça veut dire que le ministre a décidé de porter plainte. Vous pensez que, malgré que vous avez été humble en présentant vos excuses, mais qu'il veut politiquement en profiter, quoi. C'est-à-dire pour commencer... Non, je ne commente pas, je ne juge pas sa position. Je respecte la position qu'il prend. La responsabilité que j'avais en tant que président du Bloc libéral et en tant qu'auteur des propos, c'est de dire
je fais une erreur, je demande pardon. Je n'ai pas la responsabilité de la réponse qui pouvait m'être donnée. Si la plainte a été faite, c'est que la réponse, comment on appelle ça, le pardon n'a pas été accepté. Et donc, comme tel, je respecte et donc je me prépare pour me défendre. Est-ce que vous voulez dire que le ministre n'a pas été grand en acceptant votre pardon? Non, je ne juge pas son acte. Bien. Je ne juge pas son acte. Bien. Voilà, donc ça veut dire que j'imagine que ce serait une plainte pour diffamation que le ministre Mohamed Lamine Fofana, garde des Sceaux, donc vient de déposer contre Dr Faya Milimono. On verra la suite de ce dossier. Pendant ce temps, on observe une petite pause. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, ce numéro qui reçoit Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral, je l'ai rappelé à l'entame, qui rentre tout fraîchement des États-Unis où il aura passé 3 mois de séjour. Et il a expliqué donc le contenu de ce séjour aux États-Unis. Et dès les premières heures de son arrivée, ce qu'il a donc tenu comme propos qui sont considérés aujourd'hui comme diffamatoires, qui amène donc le ministre de la Justice à porter plainte contre lui devant la DPJ. On verra la suite de ce dossier. Maintenant, on va passer à l'autre sujet qui focalise les attentions depuis plusieurs jours maintenant. La disparition, le décès, la mort de Khalifa Sall, ancien président de la Cour constitutionnelle, celui-là qui, à l'occasion de la prestation du serment d'Alpha Condé en 2015 pour son dernier second et dernier mandat, l'a donc averti dans son discours de ne pas succomber aux sirènes révisionnistes, entre d'autres vertus qu'il a rappelées à Alpha Condé en tant que président, et qui aura été donc un pan historique et célèbre de ce discours-là. L'homme a été évincé de son poste, aujourd'hui il est mort. Il y a eu beaucoup d'interprétations. Il n'a pas résisté à la honte qu'on lui a infligée. D'autres pensent que c'est tout simplement naturel. Vous, quelle réaction vous avez face à la mort de l'homme, les circonstances de sa mort, et ce que vous retenez de Khalifa Sall? Je crois qu'il faut respecter l'homme. Il ne faut pas spéculer sur sa mort. Je crois que ce n'est pas la honte, parce qu'il n'y avait pas de honte à avoir, à défendre, à avoir une conviction, à défendre la République. Après tout, il était le président de la Cour constitutionnelle. C'est le gardien en chef, n'est-ce pas, de la Constitution guinéenne en qualité de président de la Cour constitutionnelle. Donc, il n'y avait pas de honte à avoir. Alors, cet homme qui a été un magistrat brillant, rigoureux, est un modèle pour le peuple de Guinée. Et je crois que la manière dont il est parti, accompagné par l'ensemble, j'étais à Cameroun, beaucoup de Guinéens l'ont accompagné à sa dernière demeure. Je crois que c'est encore mieux que si une occasion avait été donnée de permettre aux gens qui hier l'ont humilié de vouloir venir l'honorer. Ça aurait été de l'hypocrisie. Et c'est en cela que je remercie, n'est-ce pas, la famille qui, n'est-ce pas, a tenu à ce que Khalifa Sall soit accompagné dans l'honneur, n'est-ce pas, de manière sobre. Et moi, j'ai apprécié cela. Je dis mes condoléances encore une fois à la famille. Je dis, n'est-ce pas, mes prières pour le repos de son âme. Et je promets ici que le combat commencé par Khalifa Sall, il a fait sa part. La manière de l'honorer et la belle, c'est celle de continuer, n'est-ce pas, de mener ce combat jusqu'à terme. Quand nous gagnons ce combat, eh bien, là où il est, au paradis, j'en suis certain, là où il est, il pourra reposer en paix. C'est un grand monsieur que nous avons perdu, et j'invite les jeunes magistrats, ils sont nombreux, qui embrassent, n'est-ce pas, cette corporation. Je veux qu'ils s'inspirent du monsieur. C'est la justice guinéenne qui va gagner. C'est toute la Guinée qui va gagner. Mais Khalifa Sall, apparemment, il aurait laissé des consignes qu'il soit enterré sobrement. S'il ne l'avait pas fait, s'il n'avait pas exprimé cette volonté, ça veut dire que, malgré tout ce que vous reprochiez à ceux qui incarnent l'État aujourd'hui, d'avoir fait à Khalifa, il serait obligé, au nom de la République, de lui accorder cet honneur-là, parce que c'est la République qui lui doit ça. En pareille circonstance, s'il n'avait pas
lui-même laissé ses consignes, on pouvait confisquer son corps. L'État pouvait confisquer son corps. Même si ceux qui incarnent cet État aujourd'hui voulaient reprocher beaucoup de choses pour que la République lui rende ce qu'il lui a fait pour cette République. L'État ne peut pas confisquer le corps de quelqu'un. Ce n'est pas le droit de l'État de confisquer le corps des morts. Même un condamné à mort qu'on vient d'exécuter, on donne le corps à sa famille. Vous comprenez? Bien. Donc l'État ne peut pas. Et moi je trouve que je suis certain que dans la famille, j'y ai été, j'ai trouvé des hommes et des femmes de valeur. Au-delà de la consigne laissée par le défunt, je suis certain que dans cette famille-là, les gens auraient décidé que Khalifa Sall soit enterré sobrement, bien, dans l'honneur et accompagné par le peuple de Guinée, et que personne ne profite, n'est-ce pas, de cette situation pour redorer son blason. Et puis ça a quand même été une politisation justement de la mort de Khalifa. Du côté de la mouvance, on a entendu des discours. De votre côté aussi, on a entendu des discours. Mais au-delà de tout, beaucoup ont été ceux-là qui ont quand même été absents. C'est vrai qu'on a dit, on ne fait pas d'honneur public à Khalifa, on l'enterre sobrement. Mais chaque personnalité, quel que soit son bord, aurait pu peut-être être présent à son enterrement. Il y a eu beaucoup d'absents. C'est le choix de ceux qui ont choisi d'être absents. À la levée de coche, je n'ai pas participé à la levée de coche, j'étais au cimetière. Cependant, on m'a rapporté que le premier président de la Cour suprême était présent au moment de la levée de corps à Sino-Guinéen. Je crois que ça, c'est le choix de chacun. Ce qui est clair, c'est que je ne peux pas parler de politisation. Khalifa Sall a été une figure publique. Il a rendu service, n'est-ce pas, au peuple de Guinée. Eh bien, le peuple de Guinée ne peut pas ne pas parler de lui. Le peuple de Guinée ne peut pas ne pas l'honorer. Et donc, le nom de Khalifa Sall est désormais inscrit en lettres d'or dans l'histoire de ce pays. Et à chaque fois qu'on parlera de la constitution guinéenne, on se rappellera de Khalifa Sall. Il y a beaucoup de choses dont ses enfants, n'est-ce pas, doivent être fiers de leur papa. Voilà donc ce que Dr Faya Milimono retient de Khalifa Sall, donc ancien président de la Cour constitutionnelle décédé. Et puis on va parler finalement du FNDC, le Front National de Défense de la Constitution, dont votre parti est membre. Le Front aujourd'hui entre de multiples interpellations policières et la poursuite du combat que vous êtes en train de mener. Est-ce qu'aujourd'hui ça affaiblit la stratégie, la dynamique ou le dynamisme du Front, en tenant compte par exemple de l'arrestation récente de deux jeunes du mouvement, Sekou Koundouno et son ami Kounike Mangal Sylla. Et puis après il y a d'autres arrestations anonymes qui se passent à l'intérieur du pays, des interpellations aussi et là. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça ralentit un peu le mouvement? C'est de l'intimidation. L'intimidation expose, n'est-ce pas, la faiblesse. Quand dans un combat quelqu'un se sent en position de faiblesse, il intimide. C'est l'intimidation qu'on est en train de voir. Mais ce mouvement-là n'est pas en train de battre de l'aile. C'est un mouvement qui est debout sur ses deux pieds et qui est en train de continuer à mener le combat. Vous avez suivi récemment ce qui s'est passé à Beyla. Au moment où nous parlons, il y a une mission qui est à l'intérieur du pays, qui part de Lola, qui va faire Zéro Corée, qui va faire Yomou, qui va faire Macenta, qui va faire Gekedou, Kissidougou, Farana. Il y a d'autres missions qui sont à l'intérieur du pays, n'est-ce pas? Sur chaque mètre carré de la Guinée, il y a des hommes et des femmes qui pensent qu'on ne devait plus revenir en arrière. Revenir en arrière, c'est vouloir revivre, il faut le dire. Et je crois que le peuple de Guinée qui nous écoute, qui nous regarde, se rappelle. Monsieur le président Lansana Conté, paix à son âme, avait fait sa part. Il est venu pour redresser la Guinée. Il a posé des actes dont nous voyons encore des effets, des effets positifs. Il y en a eu des effets négatifs, parce qu'il n'y a pas d'œuvre parfaite. En 2001, il était déjà fatigué, il était déjà malade. Les gens autour de lui l'ont convaincu qu'il fallait encore qu'il touche
à la Constitution, qu'il a fait adopter. C'est lui qui l'a proposé au peuple de Guinée pour être adopté par référendum. C'est lui encore qui vient toucher à cette Constitution. En 2001, la Constitution a été modifiée. Lansana Conté est malade. Il ne pouvait plus rien comprendre. Le pays était dans les mains des vautours. Des vautours. Eh bien, on prenait, chacun prenait ce qu'il pouvait. C'est comme on a mis, c'est-à-dire, ça s'apparentait un peu à ce que certains soldats ont fait au Libéria quand il y avait la guerre au Libéria. Il fallait prendre tout ce qui pouvait tomber sous nos mains. Le pays est allé en faillite. Et cette faillite a été douloureuse pour le peuple de Guinée. Rappelons-nous de tous les jeunes gens qui ont payé de leur vie et de leur sang. En 2006, en 2007, janvier et février, ça a été une page noire. Donc, combien de jeunes ont perdu la vie au pont Winnova? Il n'y a pas encore un seul acte rendant justice à toutes ces victimes. Rendant justice à toutes ces victimes. Alors, est-ce qu'on peut revivre cela? Je ne crois pas. C'est pourquoi on dit, quand quelqu'un a été mordu par un serpent une fois, lorsqu'il voit la queue d'un lézard, il va trembler. Donc, ces interpellations policières qui se multiplient, vous pensez que c'est pour l'intimidation et ça ne pourra pas marcher? Non, ça ne pourra pas. Aujourd'hui, on a l'impression que ça fait plus ou moins effet. Le dernier exemple, c'est Macenta, où on a interdit une manifestation du FNDC à la place d'une manifestation autorisée de ceux qui promeuvent la nouvelle constitution. Et là, vous n'avez rien pu faire. Pratiquement, que de vous résigner. Écoutez, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où, si le BL, dans son projet de société, dit, et ça c'est une promesse que nous faisons, on n'en fait pas trop, le jour que le peuple de Guinée va nous faire confiance en nous portant à la tête de ce pays, il n'y aura plus de petits rois tolés qu'on appelle à l'intérieur des préfets, des gouverneurs et des sous-préfets. Pour l'instant, vous êtes d'accord que certains de vos mouvements sont empêchés? Il y a des situations, il faut prendre en compte le contexte, il faut prendre en compte plusieurs dimensions, il faut reculer et pour sauter. Vous comprenez? Ce n'est pas comme les problèmes arrivent que vous pouvez les résoudre. Vous avez vu ce qui s'est passé à Beyla. C'est la mouvance qui a été obligée de reculer. Vous comprenez? Vous avez vu ce qui s'est passé en Nzérékoré. Les autorités là-bas ont été obligées de dire que personne ne manifeste, qu'on soit pour ou contre. C'est pas la bonne solution. Il faut encadrer. Si les gens veulent manifester pour dire on n'est pas d'accord, qu'on leur permette, comme on permet à ceux qui veulent dire qu'ils sont d'accord. Je crois que ça, c'est ce que la Constitution guinéenne a prévu, c'est ce que les lois de la République ont prévu. Nous ne sommes pas un empire, nous sommes une République. Et elle doit fonctionner comme telle. Alors donc, ces intimidations-là ne feront absolument rien. Absolument rien. Bien. Et le bloc libéral, lui, restera toujours engagé dans le combat à l'intérieur du Front. Nous sommes membres fondateurs du Front. Et vous savez, il a été posé la question à ces gens qui ont été arrêtés la dernière fois, Sékou Kounouno et Sylla, le mode de financement de votre Front. Est-ce que vous confirmez aussi que chaque parti membre cotise? Bien sûr. La base de cela. Bien sûr, chaque parti membre cotise. N'est-ce pas? Lorsque, même quand j'étais à l'extérieur du pays, quand on installait les différentes structures du FNDC dans les quartiers de Conakry, il y avait des cotisations qui étaient demandées aux différentes entités. Bien. Il m'a été rapporté cela à plusieurs reprises. Donc, c'est comme ça que les choses sont entrées. Mais il y a quelque chose qu'il faut mentionner. Il faut qu'à un moment donné, je suis l'un de ceux qui critiquent véritablement notre justice. Mais il y a des actes qui donne une certaine lueur d'espoir. On a vu l'acharnement contre les membres du FNDC à Kinia, qui ont été à la hâte condamnés par la première instance, et arrivés ici, à Conakry, en appel, ils ont été purement et simplement libérés. Vous avez également suivi ce qui s'est passé à Koya. Il y a aujourd'hui des actes que certains magistrats ont posés, et qui continue à les poser, qu'il faut encourager. Bien. C'est cela, la justice que nous demandons. Ce n'est pas une justice en faveur d'un parti ou contre un parti. La loi, elle est censée être impersonnelle. Si elle est respectée dans un pays,
c'est surtout le plus faible qui est d'abord protégé. Bien. Parce que si la loi n'est pas respectée, si la justice n'est pas dite dans un pays, c'est le plus faible. Et la majorité des Guinéens, c'est ceux qui sont faibles. Ils n'ont ni armes, ils n'ont pas de flèches, ils n'ont rien. Ils n'ont que... C'est comme moi qui suis sur votre plateau aujourd'hui. Je n'ai que la bouche, ma plume et puis mon papier. Bien. Donc, nous ne sommes pas dans, dans un combat physique hein, où le plus fort hein, va gagner. Non. Bien. C'est l'argument le plus fort qui doit prévaloir. Donc, la justice indépendante. Et en parlant toujours de constitution, je ne sais pas si cela s'est passé quand vous étiez là ou est-ce que vous étiez déjà aux États-Unis pour vos 3 mois de séjour, quand Alpha Condé, lors d'un conseil des ministres, a dit qu'il prenait acte de la volonté du gouvernement de Kasuri, qui Kasuri a exprimé lors de son bilan, d'aller vers une nouvelle constitution. Est-ce que vous aviez déjà eu le temps d'analyser cela? Ou est-ce que ça vous avait trouvé en Guinée ici déjà? Non, je n'étais pas en Guinée, j'étais à l'extérieur, j'ai suivi cette actualité. Et je me suis dit, heureusement que ce n'est pas la volonté du peuple. Donc quand il dit acte, qu'est-ce que vous avez compris par là? D'abord, il y a d'abord quelque chose qu'il faut dire. C'est la volonté du gouvernement. Ouais. Le gouvernement qui a été formé par lui-même. Ce n'est pas le peuple de Guinée. Alors, le gouvernement a dit, nous sommes d'accord avec vous. Et ce qui m'a un peu... ça m'a amusé un peu. Hein. Le premier ministre qui commence à décevoir les Guinéens, c'est un grand frère que je respecte beaucoup, mais il y a des choses qu'il dit parfois qu'il le rattrape. Kasuri Fofana. Voilà. Quand il a dit, je n'ai pas encore vu la Constitution, mais je l'accepte déjà. Même si cette constitution prévoyait de tuer les Guinéens, il l'accepte. Alors, j'ai trouvé que c'est grave. Hein, de la part de Kasuri. Oui, tout à fait. De la part du Premier ministre, de dire, je n'ai pas encore vu la constitution, mais je suis d'accord avec l'esprit de la constitution. Je soutiens en tant que Premier ministre et en tant que personne. Bien. Et tous les membres de mon gouvernement acceptent. Alors là, je me suis dit, les Guinéens doivent maintenant se lever pour dire, je crois que il y a quelque chose qui est arrivé à notre gouvernement. Bien. Le gouvernement a perdu le nord. Maintenant, Alpha Condé qui dit qu'il prend acte, vous pensez qu'il prend acte, ça veut dire qu'il laisse toujours des marges ça veut simplement dire, oui, je vous ai entendu. Il n'a pas dit, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça symbolise quoi pour vous? Non, prendre acte, c'est... démarche politique. Écoutez, c'est le président de la République qui est entouré d'arc-en-cialistes, pas des RPGistes, des arc-en-cialistes. Yeah. Parce qu'il faut le dire, hein, Alpha Condé a mené un combat très loyal en tant qu'homme politique. En tant qu'opposant. En tant qu'opposant, vous comprenez. Il a été condamné sous le premier régime pour ça. Il a été condamné sous le second régime, pour le deuxième régime pour ça. Donc il a mené vraiment un combat que tous les Guinéens lui reconnaissent aujourd'hui. Il est arrivé président. 2 mandats. Il a posé des actes. Tout n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses que nous déplorons. Mais il y a aussi des choses positives qu'il a eu à faire. Bien. Alors, le temps peut-être est venu pour lui de tirer une conclusion. Et quand il dit je prends acte, ça veut dire que ça peut arriver qu'il change de... Ça peut arriver qu'il dise je suis Alpha Condé. J'ai été le président... n'est-ce pas, de l'association voilà, la FEANF. J'ai mené le combat pour la démocratie sur le continent africain. J'ai été élu démocratiquement 2 fois dans mon pays. Et donc, je tire la révérence et puis je vais laisser la possibilité. Et en ce moment, ce sera une gifle pour ce gouvernement-là. Écoutez, il a pris acte de la volonté. Non, en fait, moi, je vous dis une chose. Je vous dis une chose parce que autour du professeur Alpha Condé aujourd'hui, à part Diané, qui a été vraiment le gardien du temple pendant cette traversée du désert, et quelques personnes comme Kouri Kondiano, qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est... Tous ceux qui sont en train de crier aujourd'hui très fort, c'est des militants de 25e heure. Bien. C'est les arc-en-cialistes. Le RPG qu'on respecte, ceux-là qui se sont battus pour le RPG ne savaient même pas dire RPG.
Il disait RPC. Ça, on le sait. Vous comprenez? Oui. Ceux-là, aujourd'hui, ne sont plus proches des Alpha. Les gens sont venus, ils l'ont entouré. On dirait qu'il n'a plus de contact. Donc, ils l'ont éloigné de ces de ceux-là, de ceux qui se sont battus pour les valeurs. Donc, on lui dit simplement, c'est bon qu'il prenne acte, prenne le temps d'analyser. Bien. Il est Mandela d'Afrique. C'est lui-même qui l'a dit, c'est pas moi. Alors, il est un autre Mandela. Il va poser un acte comme Mandela. Et en parlant des valeurs et des vertus pour lesquelles Alpha s'est battu, quel mot ou qu'est-ce que vous avez à dire sur son livre qui a paru la dernière fois? Je ne l'ai pas encore lu. Une certaine idée de la Guinée. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Bien. Je vais le lire. Quand je vais le lire, je vais faire un commentaire. Bien. Et puis, pour terminer, en 30 secondes, ce que vous avez comme réaction sur cette question de Syrie nationale, le débat a fait rage à votre absence, la mésaventure du Syrie à la CAN et tout le tollé de corruption, de surfacturation qu'il y a eu autour de l'équipe. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? La corruption, ce n'est pas nouveau. C'est d'ailleurs le jeu de prédilection des régimes qui se sont succédés dans notre pays. Ça, la corruption, c'est un mal. C'est un fléau qu'il faut combattre. La Sierra Leone est en train de le faire, le Ghana est passé par là, tous les pays qui veulent avancer doivent tuer la corruption. Mais le problème concernant le Sili national, ce n'est pas ce sur quoi le débat porte qui doit être réellement le sens du débat. Aujourd'hui, si nous voulons développer le sport, si nous devons développer la culture dans notre pays, nous devons investir pour cela. Nous avons des écoles. Allez à Conakry, 90% des écoles publiques n'ont aucun terrain de football, aucun, ni un terrain de basket, ni un terrain de choses. On n'a pas de centre omnisport, nulle part dans les régions, on en trouve. Les gens qui sont en train de se battre aujourd'hui, moi je dirais même, le fait de nous porter à la phase finale d'une coupe, je remercie ces jeunes gens. Donc, parce que les genoux, les jambes de ces jeunes gens ont subi la douleur du goudron sur lequel ils ont appris à jouer au ballon. Déjà nous amener là, je dis, je vous félicite. Le reste, il faut qu'il y ait une gouvernance vertueuse. Il faut une gouvernance vertueuse qui permette de prendre le problème à bras le corps et faire de la Guinée une nation de football. On se rappelle du AFIA et ce que les gens ne doivent pas oublier du AFIA, le AFIA était composé à 80% d'intellectuels qui étaient ici, n'est-ce pas, à Polytechnique. Bien. Voilà donc le problème, il est d'abord un problème de structurel et puis de la base. Il faut commencer depuis la base et comme il l'a dit, d'ordre aussi infrastructurel. Merci Dr Faya pour cette disponibilité. Une fois encore, bonne arrivée. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Bien. Merci à tous de votre attention. C'était tout pour ce numéro de Café Débat. À demain pour un autre numéro, si Dieu le veut bien. Prenez soin de vous et au revoir.